Ces deux éléphants, enchaînés dans un zoo, ont ému le Vietnam. Le sort de Thai et Banang, deux femelles du zoo d'Hanoï, est pris très au sérieux. Depuis plusieurs semaines, les deux éléphants ont les pieds enchaînés, limitant encore plus leur liberté de mouvement. Le zoo justifie cette mesure à cause d'une panne de la clôture électrique. Après l'émoi suscité, plusieurs organisations de défense des animaux demandent à ce que Thai et Banang soient remis en liberté dans le parc national de Yeokdon. Yeokdon National Park is an area where elephants live naturally, so it has all of the elements of the environment which an elephant needs to be able to live well and to live happily within that type of environment. Une lettre a été envoyée aux autorités d'Hanoï pour demander leur transfert dans le parc et une pétition a aussi été lancée début août. Elle a déjà récolté plus de 70 000 signatures. Selon ces mêmes associations, la population d'éléphants sauvages est passée de 2 000 en 1980 à seulement une centaine en 2022.